de Brazzaville en 1978 que le professeur émérite Anicet Mongala a dressé le programme de formation des élites africaines aux fins d'adapter les programmes de développement aux réalités du continent. Cette conférence de Brazzaville, appuyée par Antoine Dingaoba, a été ouverte par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Un succès diplomatique au point que Anicet Mongala a relevé le Bureau africain des sciences de l'éducation. La récompense, ce sera en 2000, lorsqu'il créa la chaire UNESCO pour la culture, la démocratie et les droits de l'homme en Afrique centrale et dans les pays des Grands Lacs.